nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu ouvres ton royaume à ceux qui renaissent de l'eau et de l'esprit. Fais croître en eux la grâce pour que, déjà purifiés de leurs fautes, ils ne rendent vaine aucune de tes promesses. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne disait au peuple, aux anciens et aux scribes, « Vous qui avez la nuque raide, vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à l'Alliance depuis toujours, vous résistez à l'Esprit-Saint. Vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Celui-là que maintenant vous venez de livrer et d'assassiner. Vous qui aviez reçu la loi sur ordre des anges, vous ne l'avez pas observé. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara, voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors, ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Quant à Saul, il approuvait ce meurtre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Moi, je suis sûr du Seigneur. Ton amour me fait danser de joie. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Moi, je suis le pain de la vie, dit le Seigneur. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Alléluia, alléluia. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule dit à Jésus, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi je suis le pain de la vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout au long de l'histoire du salut, Dieu s'est servi de différents moyens, de différentes médiations et de différents médiateurs pour se rapprocher des hommes. Dieu s'est servi des prophètes, par exemple, pour faire savoir à son peuple quelle était sa volonté. Les prophètes disaient au peuple et à ses dirigeants quelle était la volonté de Dieu à ce moment concret de l'histoire. Dieu s'est servi des rois pour qu'ils gouvernent son peuple, pour qu'il conduise ce peuple vers le chemin de la vérité et vers le chemin de la justice. Dieu se sert des prêtres comme instruments pour qu'ils implorent, qu'ils intercèdent pour le salut de son peuple. Et Dieu s'est servi de son Fils. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que ce Fils accomplisse les promesses de l'Ancien Testament. Et Jésus-Christ, par sa naissance, par ses œuvres, par ses enseignements, par sa passion, sa mort et sa résurrection, est venu accomplir les promesses faites par Yahvé dans l'Ancien Testament. Il est la plénitude, il est l'accomplissement de ce que Dieu a préparé pour son peuple. C'est pourquoi nous chrétiens devons nous sentir heureux, heureux d'avoir connu celui qui nous fait voir qui est le Père, Jésus-Christ. Celui qui nous fait entrer dans la vie divine par sa mort et par sa résurrection. Il nous trempe dans le salut, il nous trempe dans la vie même de Dieu. Dans la vie de Dieu, il nous élève à la condition de fils de Dieu. Nous ne sommes plus serviteurs, nous ne sommes plus de simples créatures. Nous devenons des fils de Dieu par le Fils unique Jésus-Christ. Sentons-nous donc heureux, sentons-nous fortunés, sentons-nous chanceux, heureux d'avoir connu un si grand amour. Et posons-nous la question, comment sommes-nous en train de recevoir ces dons de notre Seigneur? Comment reçois-tu tous les dons que le Seigneur fait dans ta vie? Comment reçois-tu toutes ces promesses de Yahvé qui se sont accomplies dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ? Les dons de Dieu, comment le reçois-tu dans ta vie? Les dons du Christ, la confession par exemple, après une confession, comment reçois-tu la grâce reçue dans la confession? L'Eucharistie, la table du Seigneur, Dieu lui-même, le Christ lui-même, présent sacramentellement
présent réellement dans l'Eucharistie. Comment reçois-tu l'Eucharistie? Comment reçois-tu les grâces du Seigneur dans ta vie? Les reçois-tu à la va-vite? Une confession bâclée? Une Eucharistie non préparée? Comment reçois-tu les dons de Dieu et d'autres dons en dehors de la confession et de l'Eucharistie? Beaucoup d'autres dons dans ta vie, des dons spirituels et des dons matériels. Comment reçois-tu la main de Dieu? Comment reçois-tu la présence de Dieu, l'expérience de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu es conscient que le Seigneur te fait partager sa vie divine? Est-ce que tu es conscient, lorsque tu reçois les grâces de Dieu, de que Dieu, avec un si grand amour, une si grande miséricorde, se souvient toujours de toi, qu'il ne t'a pas oublié? Est-ce que tu es conscient que Dieu a le droit de trouver en toi une réponse qui plaît à son cœur miséricordieux, une réponse de gratitude, une réponse de reconnaissance? Lorsque tu as reçu les dons de Dieu, qu'est-ce que tu en fais? Comme je l'ai toujours dit, après une grâce, vient une action de grâce. Quelle est ton action de grâce lorsque tu reçois les dons de Dieu? Quelle est la réponse que tu donnes au Seigneur? Ou alors tu crois que ce que tu reçois, tu as le droit de le recevoir, que le Seigneur est cet esclave-là qui est à ton service? Non. Le Seigneur a le droit de trouver en toi un cœur plein de gratitude et plein d'amour. Tu ne peux pas donner au Seigneur tout ce qu'il t'a donné, c'est vrai. Mais donne-lui ce que tu as. Donne-lui ce qui est possible. Donne-lui le peu que tu es et le peu que tu as. Quevedo disait que nous sommes poussières, mais des poussières amoureuses, des poussières qui sont capables de lever les yeux vers le Seigneur et de lui dire « Merci Seigneur ». Merci parce que je me sens heureux. Merci parce que tu as envoyé ton Fils unique pour me sauver. Pas seulement pour me sauver, pour m'enseigner. Parce que son enseignement, c'est aussi un canal pour le salut. Merci Seigneur. Merci pour tant de bienfaits que tu as remplis dans ma vie. Merci parce que par la mort et la résurrection de ton Fils, tu m'as trempé. Tu as partagé ta vie divine avec moi. Sentons-nous heureux d'avoir connu et d'avoir expérimenté l'amour de Dieu dans nos vies. Donnons à notre Seigneur la réponse qu'il a le droit de trouver en nous, une réponse de gratitude, une réponse d'un cœur qui sait reconnaître la main de Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Un cœur qui sait voir l'amour de Dieu, même dans les moments d'obscurité. Seigneur, je veux t'aimer. Seigneur, aide-moi à reconnaître tes bienfaits dans ma vie. Seigneur, aide-moi, même dans les moments de croix, à pouvoir me rappeler de ces moments de lumière que tu m'as tant donné dans ma vie. Seigneur, je veux m'offrir à toi. Je veux me sentir heureux parce que tu me montres toujours ta main dans ma vie. Seigneur, je m'offre à toi parce que tu m'aimes, parce que tu m'as aimé en premier, et j'aimerais moi aussi te donner la réponse que tu mérites de trouver en moi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le Pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles.
Prions le Seigneur pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour tous ceux-là qui vivent des tensions dans leur famille. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur, qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant:
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Pascal Ndongo et de Clarisse Atanga. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.